Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Depuis vous voulez content, pas faire policier injustice. Et de quoi ça trouve à judiciaire là? Non. Pouvoir judiciaire là, c'est pour gérer l'indépendance. Merci. Merci. Je n'ai un peu plus aujourd'hui, monsieur. Nous avons pile l'autre sujet. Ah non, l'autre n'a parlé de ça. Premier chantier, c'était lycée Marie-Jeanne. Deuxième, non, c'était lycée des jeunes filles. Et nous, là, aujourd'hui, pour nous pas lancer, mais commencer le travail de construction de logements pour policiers. Alors, il faut me dire que l'ambassade du Japon, à travers le CAER, c'est lui-même qui finançait la construction des deux lycées. Et il finançait tout la construction de trois bâtiments. Dans 23 bâtiments que nous avons bien pour nous construire sur le terrain ça que nous avons visité là. Alors, c'est pratiquement là que je vais camper. Si nous avons des questions, nous sommes capables de poser des questions à ministre des Affaires sociales là. Il y a un DG de MPAD là qui est à côté, mais il y a aussi l'ambassadeur du Japon et puis DG EBPLSA qui a plus d'explications, qui a des informations en détail sur ça qui a fait. Mais moi-même, j'ai été très satisfait d'avancement des deux chantiers, des deux premiers chantiers de ce matin. Les deux lycées, moi, ouais, y a tous les deux, il y en a 15%, l'autre là, 20%. Je pensais que le lycée y a marché. Et dans nos présidents de la République, là, m'a dit nous merci parce que nous venons. Et m'a dit ambassade Japon, merci tout. Et je vous prie de transmettre mes remerciements à votre gouvernement parce que c'est un partenaire de choix, l'ambassade du Japon à Port-au-Prince. Alors là maintenant, et merci beaucoup et pour non seulement les deux lycées qu'on est en train de construire, ce sera deux lycées de référence. Et là maintenant, pour les trois premiers bâtiments, c'est encore l'ambassade du Japon qui a commencé. Et pour les 20 autres, c'est déjà le financement est déjà disponible
à travers l'ONA et grâce au support de la ministre des Affaires sociales. Merci beaucoup. Bon, c'est ça que tu as dans la programmation aujourd'hui. Mais l'autre, il y a fort qu'on est. Les détails techniques par rapport au projet. Moi, bien content tout. Moi, salue toute la presse, PMNA, DG, BMPA, DG, PPLS, l'ambassadeur du Japon, enfin, toute l'équipe qui l'a. Donc, on visite ça. Donc, pas besoin de répéter, puisque PMNA a déjà expliqué, nous sommes deux chantiers déjà. Et nous sommes présents, puisque nous connaissons affaires sociales, c'est un bagage qui est transversal. Donc, question, éducation, instruction et surtout des jeunes filles, ça touche nous, ça intéresse nous, donc on était présents. Et moi, sous chantier là, je dis, hein, semaine dernière, là, nous étions avec nous, côté que nous avons lancé les questions, hein, je dis, hein, nous venons dans le concret, nous venons sous chantier, nous venons dans le démarrage effectif travail. Firme sous place avec nous là, plan yo là, nous te montrer, nous filmer, c'est des détails qui te sont bail sous plan yo. Donc nous-mêmes, nous là pour et DG et PPLS, nous avons tout le dossier au quotidien. Donc si vous avez un petit détail, pointu, que nous avons gagné toute question, hein, DG et PPLS, là pour vous capable de nous. Moi-même, pas comme besoin de répéter encore que là, sous chantier ça, nous sommes sur 7 hectares de terre, nous gagnons 690 donc, appartements qui ont construit pour les policiers. Donc avant, c'était 600. Mais avec appui, accompagnement financier dans le cadre de coopération nous développons avec le Japon, nous sommes capables d'ajouter 90 appartements. Donc, ça veut dire que nous avons 690 familles policiers que nous sommes capables d'accueillir dans le village. Et quand nous avons fait la présentation, nous avons pris la peine pour nous attirer l'attention de tout le monde. Pour nous dire que ce n'est pas un dortoir, son village, et son village avec modernité. Parce que sous plan de regardé, nous voyons que nous prévoyons des espaces verts, c'est-à-dire que sur l'environnement, l'idée de rigueur, l'idée de mise dans le projet. Nous voyons que des places publiques, des espaces collectifs, des espaces de jeu, et même des places, espaces qui sont réservés comme espaces commerciaux. C'est-à-dire que là, aux policiers, avec 100 000, après un village, ça, donc des services que l'on a besoin de sous place, donc il n'y a pas besoin de déplacer à loin. Certaines catégories donc, de biens et de services. Et surtout, espace collectif, espace de récréatif, qui est très important pour nous, dans nos villages comme ça. Donc, merci. C'est pas le moment. Je vais répondre ça dans la radio matin. D'accord? Non, je vais répondre ça dans la radio. Je suis désolé. Je ne suis pas là pour l'élection matin. Nous sommes là pour caille policière. S'il vous plaît. Par exemple, DG PPLS. Pour les deux lycées, pour les deux lycées qui financés par l'ambassade du Japon à travers le gouvernement du Japon, à travers le DOCAR, c'est le lycée Marie-Jeanne et le lycée des jeunes filles, respectivement 214 millions et 129 millions de gourdes, cap travail à réalisé par deux firmes, Execo et oui des groupes cap supervisé. Il y a respectivement 20 et 15% pour me répéter effectivement les mots du ministre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes visités là. T'es continuant sur la question lycée Marie-Jeanne que nous avons besoin pour t'y un éclairage sur lui-même, c'est que par rapport à l'auditorium, BMPAT est d'accord pour un financement japonais par rapport à s'il s'agit de réhabilitation ou du moins de reconstruction. Étudiant en cours, là, nous lançons le thème de réclamation déjà. Nous pourrons lancer en marché sur la question d'études pour réhabiliter. Études structurelles, comment nous allons lancer là. Une fois le résultat au fin de tomber, nous avons firme à travers l'étude là, marché à lancer, qui a obtenu marché, hein, qui permettent que nous gagnions pour étude là, c'est BM, pas de cap financier, mais réhabilitation, résultat, cap stagé, si réhabilitation, ou du moins c'est construction, le Japon guettant à entendre avec le BM, pour être capable de financer, parce que pour le lycée de Marie-Jeanne, c'était construction de lycéa dans toutes ses composantes. Et auditorium et lycéa en soi.
Nous très contents que le Premier ministre soit avec nous aujourd'hui dans deux premiers lycéos que nous avons visités, parce que nous-mêmes au niveau du DEMPAD, nous toujours gagnons un œil vigilant sur le travail là. Nous sommes contents que le Premier ministre soit venu pour superviser l'avancement de travaux. Et je pense que les répéter le très satisfait, nous-mêmes nous satisfait. Travail a duré 18 mois pour s'agissant du lycée des jeunes filles. Et le lycée Marie-Jeanne, c'est 12 mois, si tu apprends un mois en plus dans le cadre de questions d'auditorium. Je pense que c'est un très bon travail. Moi-même, je applaudis chaudement l'effort que le gouvernement de la République, le président de la République là, et le Premier ministre l'a fait, de même que le ministre des Affaires sociales là, et le DG de l'UTLS, qui sont capables de mettre à disposition les policiers nationaux, de police nationale là, de bâtiments modernes, donc construction au village extraordinaire, qui répondent aux normes de toute qualité, toute facilitation là-dedans, moins ouais place publique, moins ouais terrain de jeu, moins ouais espace vert, moins ouais ces deux bâtiments capables de répondre aux normes. N'a pas remercié l'ambassade du Japon qui finalement a ajouté trois autres bâtiments dans 20 bâtiments que le gouvernement a été engagé pour faire pour la police là. Et nous avons un très bon bagage, ça a créé un peu d'espoir la caille policière. Et finalement, nous croyons que dans les prochains mois, c'est en réalité que nous allons vivre côté que les policiers ont bien de logements qui propres à eux-mêmes que le gouvernement a mis à disposition. Le ministre nous devait remettre publiquement pour l'effort ça. Et à travers eux-mêmes, on va transmettre à la police de la République là. Remerciement BMPAD parce que il y a trois bâtiments que financés par le Japon, l'ambassade du Japon en Haïti, mais c'est à travers le don KR qui est géré par le BMPAD. Merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.